Levé autour de la Garonne, Bordeaux a conservé son décor de théâtre, son atmosphère secrète et sa fierté, souvent frondeuse vis-à-vis de la capitale. Son terroir et son climat produisent les plus grands vins du monde et offrent à la ville une renommée internationale dans le domaine viticole. Depuis son impressionnante réhabilitation amorcée il y a 20 ans, et récompensée en 2007 par l'inscription du port de la Lune au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville a reçu le prix de la meilleure destination européenne de l'année 2015 et candidate actuellement au World Travel Awards, label qui récompense l'excellence en matière de tourisme au niveau mondial. Fière de son passé et tournée vers l'avenir, la ville entame une nouvelle phase de son développement avec la création de nouveaux quartiers pour rendre son territoire encore plus attractif, notamment avec l'arrivée de la ligne à grande vitesse qui la reliera à Paris en seulement 2 heures. Bordeaux connaît ainsi une popularité grandissante, aussi bien auprès des jeunes que des entrepreneurs, marquée par sa douceur de vivre et son dynamisme. La gloire des siècles passés a laissé ses traces sur les murs comme dans les esprits. La cité se révèle avant tout comme un joyau du XVIIIe siècle, avec ses pierres ciselées et armoriées. La place de la Victoire est une représentation authentique du raffinement et de l'élégance classique bordelaise de cet âge d'or. L'imposante porte d'Aquitaine fut élevée pendant l'administration Tourny par l'architecte André Portier en 1753, marquant la limite de la ville en remplacement des anciennes fortifications médiévales. La création de la place d'Aquitaine, destinée à la fois à mettre en valeur la porte et à orienter les axes du trafic, fut l'occasion d'un lotissement de prestige à l'image de ceux de la place Dauphine et des allées de Tourny, qui ont fait la gloire de Bordeaux. Comme pour toutes les places dont la conception lui fut confiée par Tourny, Portier donna un modèle d'élévation qu'il décrivit lui-même. Les bâtiments faisant le pourtour de la place seront uniformes avec arcades au rez-de-chaussée, des balcons aux croisées au premier étage et une couverture en mansarde couverte d'ardoises. Les maisons des alentours de la place, pour ne pas écraser la porte, ne devait pas dépasser 13,69 m de hauteur, soit 5 mètres de moins que le monument. Afin d'aérer la place, et pour faciliter la circulation vers le centre-ville, la physionomie de la place fut modifiée au début du XXe siècle. Lors de la percée du cours Pasteur, à partir de 1902, on démolit l'îlot à l'ouest de la porte, ainsi que les guichets d'octroi devenus inutiles, transformant la porte d'Aquitaine en arc de triomphe. La nouvelle voie permet ainsi une relation directe efficace entre la place Péberlan en cœur de ville et la place de la Victoire, mettant fin à l'isolement partiel de cette dernière. Lieu emblématique des étudiants à Bordeaux, depuis l'édification de la faculté de médecine et de pharmacie à la fin du 19e siècle, la place d'Aquitaine, devenue place de la Victoire suite à l'armistice de 1918, a subi un nombre important d'aménagements successifs et de transformations en l'espace de quelques décennies. Sa piétonnisation et son aspect minéral actuel renouent avec la rigueur architecturale du XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, la place est un haut lieu de la vie étudiante avec ses nombreux cafés et terrasses, son entrée vers la rue Sainte-Catherine et ses nombreux commerces, ainsi que le passage du tram qui assure le transit entre l'hypercentre et le campus universitaire de Talence. Juste en face de la porte monumentale, l'immeuble de style Louis XV est à l'image de l'ensemble de la place imaginé par André Portier au milieu du XVIIIe siècle. C'est dans ce lieu emblématique de Bordeaux que s'opère actuellement un projet de restauration en vue d'un hôtel 4 étoiles. Cette opération est une opportunité unique d'investir dans une ville de renommée internationale. En effet, avec 93 millions de nuitées touristiques annuelles, la ville permet un investissement sûr dans le marché hôtelier. Le projet de l'hôtel Victoire consiste en la rénovation d'une tête d'îlot située au sud de la place Victoire, entre cour d'Argonne et cour de la Somme. Le bâtiment, lui, abrite également une brasserie en rez-de-chaussée et le projet de rénovation de la brasserie se réalisera conjointement et en collaboration avec le projet de l'hôtel Victoire. L'hôtel se développe sur plusieurs niveaux. Un niveau rez-de-chaussée qui abritera un bistrot avec une ambiance bar à vin, l'idée de quelque chose de chic et de décontracté. Pour la décoration du bistrot, on a imaginé un style hybride entre classicisme et modernité, l'idée d'un charme intemporel.
L'ensemble du projet sera de 38 chambres. Nous aurons deux niveaux de chambres, classiques sur cours de la Somme et cours de l'Argonne, et des chambres supérieures orientées sur la place Victoire. Le dernier niveau sous toiture, lui, de par ses volumétries singulières, nous permettra de développer des volumes plus chics pour les suites qui, elles, se développeront de 25 à 45 mètres carrés qui bénéficieront de puits de lumière et de terrasses. On retrouvera dans les chambres cette déco hybride mêlant les styles dans une ambiance intimiste et feutrée et l'association de quelques pièces de créateurs rendra chaque chambre unique. Le niveau en sous-sol sera lui dévolu au bien-être et il renfermera un spa ainsi qu'une piscine intérieure. Les façades 18e de style Louis XV seront ravalées par hydrogommage. L'ensemble des menuiseries bois restituées à l'identique. Nous avons un travail de réordonnancement sur le cours de la Somme qui a été fait conjointement avec les bâtiments de France, ainsi que la réouverture de deux fenêtres qui étaient murées sur le cours de l'Argonne.